Bonsoir, on a fait 3 jours de jeûne, donc nous sommes le 3 juin. Bonsoir la reine Oferta. Nous sommes le 3 juin et c'est le dernier jour de jeûne. Donc ceux qui ont commencé le jeûne, ça fait 2 jours ou un jour on va dire, vous n'avez pas besoin d'arrêter forcément aujourd'hui comme nous. Attendez que j'enlève ce petit truc sur mon visage. Donc salut, salut, salut. J'ai tenu à clôturer ce jeûne avec vous, ok? Si tu n'as pas pu jeûner parce que tu es malade, tu allaites, tu as le diabète, tu as le cancer, tu as whatever, ne te lamente pas, ne t'apitoie pas sur ton sort, ok? Alors, j'aime mes cheveux. Donc, ne vous inquiétez pas, on va dire comme ça. Le jeûne, c'est un acte pendant lequel j'afflige mon âme. Je me prive de quelque chose que j'aime. Et vous savez combien vous aimez la nourriture. Moi, j'aime manger. Moi. Si vous voyez mes formes, vous connaissez que j'aime la nourriture. Les ancêtres me rappellent que je n'ai pas consacré ce direct. Donc, je viens consacrer toutes les paroles que je vais dire ici. Je bénis chaque personne qui va écouter. Je viens mettre la grâce sur vous. Je déclare que la sagesse qu'il y a en moi et que les ancêtres sont en train de me passer devient la vôtre pendant que vous m'écoutez. J'éloigne aussi tous les décepticons de ce direct. Je déclare que tous mes ennemis, vous allez seulement me voir prospérer et monter. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre les gens qui sont dans ce direct au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'onction, le feu du Saint-Esprit va descendre pendant ce direct. Je déclare qu'il y aura des délivrances. Je déclare que votre ministère va commencer pour certains d'entre vous. Je déclare que vous allez commencer votre business ce soir. Je déclare que vos pages qui avaient 110 000 followers et quand vous faites le direct, on a seulement 50 personnes qui regardent. Je déclare que ce soir, vous êtes exposé au monde entier au nom puissant de Jésus. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus. Et tout le monde dit Amen. All the God people say Amen. Bonsoir et bienvenue. Ceux qui ont jeûné, levez la main. Levez la main, je veux voir vos mains. Mais je suis belle, hein? Même sans les cheveux. Ok. Il y a un temps que je faisais encore la séductrice. Ceux qui jeûnent, levez la main. Short mini jeûne. Qui jeûne? La reine Laurette, tu jeûnes? Divine. Oui. Bonsoir la reine Sultane. La reine Emine, tu jeûnes. Super. Short mini, comment tu manges? On va faire les prières. Comment tu manges? Arrête de manger. Ne mangez pas encore. Arrête de manger, ça va te distraire. Arrête de manger. La reine Jeanne, la reine Almako. Le roi Merlot. Le jeûne, la reine Momie. Le jeûne, c'est un acte où je me prive. Bonjour la reine Joanne, comment tu vas? Ça fait longtemps. C'est un acte pendant lequel tu te prives de ce que tu aimes. Si je sais que je peux pas me priver de nourriture, j'arrête autre chose. Peut-être c'est que tu ne peux pas t'empêcher de faire l'amour. Ben, prive-toi de sexe pendant 3 jours. Peut-être c'est TikTok. Enlève l'application de TikTok sur ton téléphone pendant 3 jours. Vous comprenez? Quelque chose que j'aime dont je ne peux me faire, me défaire, on va dire comme ça. Il y en a qui ont le mal gastrique, tu ne jeûnes pas, c'est tout. Bon. Pendant que tu jeûnes, il faut que tu saches que le fait que tu as même d'abord mis l'intention du jeûne, que tu as dit que Seigneur, je me priverai de nourriture. Vous voyez, voilà les bracelets. Voilà l'œil. Que je me priverai de nourriture ou je vais me priver de telle chose.
sache que ça donne. C'est un peu comme si les anges se penchaient, faisaient. Tu attires l'attention des ancêtres du ciel sur toi. Imagine un peu, tu regardes une ville. S'il y a 5 millions d'habitants dans la ville, et que ce jour-là, il y a 5000 personnes qui jeûnent. Ça veut dire que les anges, supposons même sur une ville de 5 millions d'habitants, il y a 100 personnes qui jeûnent. Ça veut dire que les pensées de 4 millions de personnes sont toujours dans « je vais manger quoi ?»« Hey, on va faire l'amour tout à l'heure, on va aller au restaurant, on va s'amuser, on va... » Mais il y a 100 personnes que ces personnes sont en train de dire « Seigneur, change ma situation. » Non, elle va l'amour passer. « Ah non, non, je jeûne. » Elle veut aller sur Facebook, elle veut aller sur TikTok. Elle dit « Non, 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 je jeûne. » Moi, je jeûne. Tu te retiens. Si tu sais que tu as un gars là avec les abdos, il a 15 plaquettes de chocolat sur le ventre. Ce n'est pas 6, c'est 8, même pas 8. 15. Ne passe pas chez lui. Dis-lui que tu as tes règles. Tu te prives de quelque chose que tu aimes. Si tu sais que c'est les trucs, la durée que tu aimes. Tu aimes partir à la durée, prends les bons trucs, ne pars pas là-bas pendant 3 jours. Tu aimes, tu sais, Starbucks que tu aimes, ne pars pas. Il y en a qui peuvent faire le jeûne où tu manges seulement la salade, les vegetables, les légumes. Pas de viande pendant 3 jours. Pas de poisson. Ça s'appelle, tu n'as pas de forme de jeûne là-bas. Louise Chakam Chapi, vous devez apprendre que. Je sais que vous aimez trop les intentions de prière. Apprenez que le spirituel, c'est que tu donnes quelque chose, tu as quelque chose. Pas chercher un orphelinat. Tu pars, tu fais le sale à Calabar, tu dis que tu fais ça au nom de ton fils. Apprenez à bouger la main des anges pour vos gens, pour vos choses. Toute personne sur ma page, c'est là, vous connaissez. C'est que vous fassiez les groupes de prière où vous priez tous les jours. Vous priez. Je ne suis pas contre la prière. Mais j'aime aussi l'action. Sortez des mangos. Ouais. Oh, arrêtez ça. Arrêtez. Tu vois, rien ne se passe. Tu bouges. Seigneur, on fait ça. Allez, on sait. Tu vois, rien ne se passe. Tu dis, ok, Seigneur, je fais encore quoi? Même une offrande. Même un sacrifice au village. On nettoie même la tombe. On lance même la poule au village. Oh, il y a tellement de choses. Tu pars à l'eau, tu lances. Tu pars à la terre, tu verses le sel, tu verses l'huile, tu parles. Vous allez arrêter de quémander les choses, le spirituel, parce que la puissance est en vous. Arrêtez de quémander. Et je prends mon temps pour enseigner cela pour que vous compreniez. Que tu comprennes. Tu laisses comme ça même avant de demander, avant que quelqu'un s'accorde avec toi sur la prière, que toi-même d'abord. Tu as déjà déclaré sur ta chose et sur ta. Noi, karababou, shakatarabakasa. Ça va marcher. Dans la journée, on dit, oh, on n'est pas sûr. Tu dis que ça va marcher. Igowaka, j'ai fait mon don ce matin. Certaines personnes me commandent, me contactent souvent. J'ai dit que prends le don que tu fais. C'est tout. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose pour quelque chose. Achète le piment de Guinée. Mets ça à côté de ton oreille là. Tu te lèves le matin, tu prends ça. Parce que vous ne voulez pas vous discipliner. Prends ton don, moi tout. Tu mets 3 gouttes sur ta langue. Tu manges le don. Tu te mets devant ton miroir. Tu parles. Tu dois lire tes intentions même 5 fois d'affilée pour être convaincu de ce que tu dis. Seigneur, je déclare qu'on ne va pas rapatrier l'enfant là. Seigneur, je déclare. Je change le verdict qu'on a dit sur lui. Au nom de Jésus. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière. Quand tu sors de la salle là, tu l'appelles, tu dis que mon fils ne t'en fait pas. Ta femme ne va pas faire une fausse couche. Ma fille ne t'en fait pas, tu ne vas pas perdre le bébé là. Tu sors, tu pars, tu achètes les biscuits bonbons, tu partages aux enfants. Je partage ça comme ça là, au nom de ma fille qui est en France. Je partage ça comme ça. Après, tu dis, ok, il faut encore faire quoi? Ouais, ok. Donc, depuis que vous me suivez là, vous ne connaissez pas un truc spirituel que vous pouvez faire. Même le
liquide fondation. Vous savez que je... À part les choses que vous ne touchez pas, votre argent n'arrive pas dans ma poche. J'ai les kits aussi que je vends. Kit de déblocage. Kit de fondation. Kit de déblocage plus plus. Les gens qui sont envoûtés et ensorcelés, les choses comme ça. Même le lavage à distance. Tu demandes un lavage à distance. J'ai les témoignages des gens qui n'ont jamais acheté un produit chez moi. Comme maman, je te suis. J'ai fait seulement le sel, comme tu dis là, c'est tout. Maman, vous venez voir comment ma vie a changé. Vous venez voir. En l'espace de 10 jours, j'ai déjà reçu 30 000 de dons. Mon salaire, c'est 50 000 le mois. Si en deux semaines, on m'a donné à part mon salaire, on m'a donné 30 000. Voilà dans combien je me touche, je me retrouve. Que c'est seulement le sel. Donc vraiment, hein. Vraiment, responsabilisez-vous. Souvent, vous allez vous lever un jour, on va partir à l'office des étrangers. Que le jour-là, tu as le bâton de commandement dans ton sac. Tu pars à l'office des étrangers, tu dis bonjour, je suis venu voir le chef de service. On dit, madame, c'est pourquoi? Je veux voir le chef de service. Madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon dossier ici là depuis 8 ans. Vous devez résoudre mon dossier aujourd'hui. Le chef de service dit que, hey, maman, Que pardon, libérer la femme l'est pas. Que libérer la femme l'est pas, c'est quoi? Tu t'assois là-bas avec ton bâton de commandement. Tu fais, tu prends la cannelle, tu mets dans ta bouche, tu mâches. On te regarde, on dit que. Ah! Je les entends, j'arrive. Mon habillement, ça fait peur aux gens. Imagine toi-même, tu marches en route, tu vois une fille qui est habillée comme moi. Tu vois une fille qui est habillée comme ça, là, toi-même, avec ça. Et vous savez qu'il y a des jours, je mets le mec ici, là. Le mec ici en haut, comme ça, là. Tu vois quelqu'un passe comme ça là devant toi. Dis-moi toi-même. Tu vas me parler n'importe comment. Je vais te demander quelque chose, tu vas me refuser. Tu t'amuses. Je commence à lire ton énergie. Je te dis les choses sur toi. Que là, 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 devant toi là. Tu arrives devant une femme aujourd'hui pour une procédure. On m'a tellement trimballé dans l'office là. Dans un comme ça là. Tu arrives devant celle-là. Madame, vous faites quoi dans la vie? Il a d'abord dit que ménager, après dit que je fais le spirituel. J'ai dit que je fais le spirituel. Elle dit que quoi? Il dit oui. Après j'entends le mot enfant. Je lui demande que madame, il me dit de vous demander où sont vos enfants. Elle me regarde comme ça. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pourquoi? J'ai eu une grossesse blanche. Le fœtus à 2 mois il est sorti. Depuis le jour, je n'ai plus jamais conçu. Tu la vois là, c'est la même femme qui a 40 ans. Sa mère a 8 enfants, elle n'a pas d'enfants. Blocage. Blocage. Parce que vous là, vous avez les dons spirituels. J'ai une choisie qui m'appelle hier. Elle m'écrit. Elle m'envoie le message. Elle me dit que. Elle aussi, elle connaît là ses dons. Elle ne blague pas. Elle est partie à Kamitota parce qu'elle voulait acheter une voiture. Bonsoir la reine. Si tu te connectes, tu vois ça tout à l'heure. Bon, je préfère quand c'est toi. Elle est arrivée à Kamitota, elle cherchait une voiture. Donc la voiture qu'elle a vue, c'est 30 millions. Et quoi que sur elle, elle avait un peu comme 18 millions comme ça là. Donc ils ont fait les réductions de wa wa wa, ils disent que ça fait 25 millions qu'elle doit payer. Elle dit que, gosh, 18 millions, il fait comment? Bon. Elle parle à la conseillère, après un moment, la Vierge Marie apparaît comme bien. Elle commence à lui dire, bon, elle commence à l'inspirer, genre, tu ne peux pas voir physiquement là. Et la Vierge Marie commence à lui dire les choses sur la femme, la conseillère. Elle fait que lui dit les choses, elle dit les choses, elle dit les choses. Finalement, la femme, la Vierge Marie lui dit et elle dit à la femme. Finalement, elle s'est retrouvée à prier pour sa conseillère. Prier. La femme a commencé à pleurer. En partant, la femme a dit que ne t'en fais pas, je vais voir comment je vais résoudre ton cas. Que je vais voir comment je vais résoudre ton cas. Tu vas voir la voiture ici. Yeah. Quand elle vous dit qu'elle est choisie, vous devez vous libérer. Donc quand tu fais ton jeûne, tu dois déjà savoir d'office que le Seigneur t'a exaucé. Ok? Tu dois savoir que le ciel est en train de se pencher sur ce que tu as demandé. Maintenant, quand tu... on va dire, quand tu manges le soir, voilà. Et parfois, généralement, quand tu manges même le soir, là, le Seigneur ne va pas vouloir que tu manges beaucoup. Fais attention à tes rêves cette période-là. Personnellement, j'ai fait au troisième jour, j'ai un truc que j'attendais depuis... 3 semaines. Aujourd'hui, ça s'est débloqué. Donc on t'emmène dans un endroit, on dit que tu vas acheter ça ici.
La personne te dit que non, j'attends que ça arrive, j'attends que ça arrive. 3 semaines plus tard, on m'amène à un autre endroit, j'achète à l'endroit là, et l'endroit initial aussi, ça arrive. Donc, mon déblocage là, je sais que c'était ça aujourd'hui, net, net. Maintenant, tu dois noter aussi ces choses-là. Donc, si tu as une situation particulière, et cette affaire, c'est si on m'a appelé hier pour me dire qu'on va t'amener à un autre endroit pour que tu prennes. Donc avant-hier, quand il commençait le jeûne, moi, il savait que je devais encore attendre. Je ne savais pas quand ça devait arriver. Donc, tu dois aussi être vigilant pour voir les choses qui sont en train de se décanter dans ta vie. Parce que parfois, vous faites le jeûne et vous n'êtes pas vigilant. Bon, je veux aussi préciser que pendant que tu jeûnes, si tu es aussi vigilant, tu vas voir que tu as beaucoup de pression. Moi, personnellement, les 3 jours de jeûne-ci, les premiers jours, je me suis beaucoup fâchée. J'ai eu des situations qui m'ont tellement énervée que je suis restée ça là, je sentais l'énergie bouger en moi. Je sentais ça, c'est pas possible ça. Et quand ça bouge comme ça là, j'ai envie de gronder quelqu'un, j'ai envie de renvoyer quelqu'un, ou j'ai envie de rompre ma relation avec quelqu'un. Donc, hier, je vous ai dit, ne prenez pas de décision hâtive pendant que vous jeûnez. Donc, à la fin du jeûne, vous devez absolument faire le salaka. Tu vas faire le salaka. Vous me dites que vous êtes bloqué dans tel endroit. Envoie ta photo chimène, on te fait le lavage à distance. Et tu te laves au sel. Donc, le salaka, tu achètes biscuits, bonbons, tu donnes. Parfois même pour le salaka, le Seigneur va t'inspirer. Que tu te rappelles de ta tante qui demandait que tu lui envoies l'argent depuis longtemps. Oui, oui, envoie-lui ça. Donc, soyez vigilants sur ce que le Seigneur peut vous inspirer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avant de commencer le jeûne, vous aurez dû être spécifique. Soyez très clair sur ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas encore écrit clairement ce que vous voulez, il y a encore temps de vous rattraper. N'ayez pas peur des sommes d'argent que vous allez demander. N'ayez pas peur des pays où vous allez demander que vous voulez partir. C'est un peu comme si on te donnait un chèque qui est vide. On dit écrit le montant que tu veux. Donc, n'ayez pas peur de mettre des choses qui pour l'instant paraissent incroyables ou impossibles. Rien n'est impossible. La chose qui te bloque là, il y a quelqu'un dans ta ville qui connaît comment faire cette chose-là aisément. Parfois, tu veux faire un truc comme ça, on te dit que ça va te coûter 500 000. Alors que dans ta ville, il y a quelqu'un qui connaît comment faire ça à 50 000. Il y a même quelqu'un qui peut te faire ça gratuitement. Donc, il faut vraiment que vous soyez, comment on va dire ça? Demandez, n'ayez pas peur. Ok? Donc, je crois qu'on va engager la partie où on va faire les déclarations. Donc, vous allez déclarer avec moi. Tu as fini? Tu as fini? D'accord, on va faire la prière maintenant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prier ensemble. Donc, je vais bénir cet espace de prière. Donc, allez tous au psaume 35. Et vous prenez ce que vous avez demandé au Seigneur. Donc, ceux qui ont demandé les lavages à distance et que je n'ai pas fait le premier, vous allez te laver le 6. Parce que j'ai eu une situation de deuil dans ma famille. Ça m'a un peu... C'est vrai que hier, j'étais pas très... Ouais. Donc, le lavage, les gens qui avaient leurs règles, tout ça là. Donc, on a enregistré encore les lavages, mais on va faire le 6. Voilà. Donc, on va donc commencer la prière. Vous allez juste répéter, ok? Vous envoyez la photo, vous envoyez 30 000 francs CFA. Ceux qui sont en Europe, c'est 50 euros. 50 euros, vous convertissez. Si tu es au Gabon, tu veux faire physiquement, c'est 40 000 francs CFA. Au Gabon, c'est 40 000. Côte d'Ivoire, c'est 40 000. Le Cameroun est un pays où le pouvoir d'achat est très... Les choses sont moins chères au pays. Jenny Kenye, j'ai déjà parlé de ça. Je crois que tu viens d'arriver. J'ai dit si tu as l'être ou si tu es malade, tu ne te prives pas de nourriture. Voilà. Donc, nous allons commencer. À partir de ce moment, je vais plier les commentaires. Donc, mettez-vous donc. Nous nous mettons en présence du Seigneur. Éternel des armées, je demande ta présence. Je demande la présence de l'ange Gabriel, l'ange Michael, du chérubin, la Vierge Marie. J'invite le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Papa Yahweh, je demande que tu puisses sanctifier cette atmosphère.
Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Papa Yahweh, donne-moi la grâce. Donne-moi la capacité de me concentrer sur ce qui est essentiel. Comme Marie et Marthe, Seigneur, que je me concentre sur ce qui est essentiel, que je ne sois pas dérouté par ce qui n'est pas important, Seigneur. Papa, je viens me bénir, je viens bénir cette atmosphère. Je bénis ce que je t'ai demandé, Seigneur. Et je demande aussi, Papa, que tu puisses ouvrir mes portes. Donc, répétez après moi à nouveau. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, moi, Jocelyne. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Je viens déterrer tout talisman qui est enterré contre ma vie. Je viens renverser tout autel qui a été érigé contre ma vie. Je viens nettoyer tout puits qu'on a creusé et verser des liquides contre ma vie. Je viens annuler toute libation qui a été faite contre ma vie. Pour la partie des libations, après ceci, vous allez prendre une bouteille de vin rouge. Vous allez aller verser ça à terre. En versant ça au sol, vous cherchez un coin. En versant ça, jusqu'à ce que ça touche la terre. Vous déclarez que tout liquide qu'on a versé au sol, on a parlé contre vous. Par cette libation que vous faites. Parce que la libation, c'est le geste de verser un liquide au sol en priant. Donc vous déclarez que tout liquide qu'on a, toute libation qu'on a fait contre vous, vous annulez. Vous demandez aux ancêtres de vous ouvrir le chemin avec le vin rouge. Voilà. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent. Toute personne qui utilise mon argent, ça c'est prière, hein, répétez après moi. Toute personne qui utilise mon argent, qui me demande d'envoyer de l'argent pour aller pratiquer, toute incantation qu'on a fait sur l'argent, sur la sueur de mon front, ou sur tout argent qui sort de ma poche, je viens annuler ces incantations au nom puissant de Jésus. Tout sortilège qu'on m'a jeté à travers mon propre argent, toute personne qui entre dans mon lieu de service ou de business, tout collègue, tout employé qui me veut du mal, tout patron qui me veut du mal, je viens annuler vos sortilèges au nom puissant de Jésus. Répétez, si vous ne répétez pas, tant mieux pour vous, parce que c'est ce que vous aimez qu'on vous fausse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Seigneur, délivre-moi du plus fort que moi. De faux témoins se lèvent, Seigneur, ils parlent contre moi. Ils rendent le mal pour le bien, Seigneur. Toute personne que j'ai aidée et qui se retourne contre moi, répétez, qui se retourne contre moi aujourd'hui, j'annule maintenant leurs incantations, j'annule leurs mauvais témoignages contre moi. Toute personne qui a terni ma célébrité, qui a terni mon image à travers ces mauvais témoignages, j'annule ces témoignages dans leur bouche et dans les oreilles des auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Je déclare que je me relève de toute chute. Somme 35, verset 15. Je me relève de toute chute. Je viens saccager tout rassemblement maléfique contre moi. Seigneur, je déclare que tu mets ton œil, ton regard, tu penches ton regard sur ces sortilèges. Seigneur, tu me protèges contre leurs embûches. Seigneur, tu protèges ma vie contre le lionceau. Seigneur, je te loue dans la grande assemblée. Je te célèbre au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis, moi Jocelyne, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils mordent leur langue pendant qu'ils parlent de moi. En versant le vin, vous déclarez aussi que personne ne puisse boire un liquide et mal parler de toi. Pour rassemblement qu'on a fait, on a parlé de mal de toi en buvant. Tu annules ce qu'ils ont dit sur toi au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui me haïssent sans cause, qu'ils ne m'insultent plus du regard.
Seigneur, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, juge-moi selon ta justice, ô Éternel, qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Qu'il revête l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Et que ceux qui sont heureux pour moi, qu'ils aient de l'allégresse. Père, que ma langue te célèbre toujours et à jamais. Je déclare l'abondance sur ma vie. Selon Nombre chapitre 23, au verset 23, je déclare au nom de Jésus qu'aucun enchantement ne peut avoir d'effet contre moi. Vous dites votre nom. Je déclare qu'aucune divination ne peut marcher contre ma vie. Je déclare que le temps marqué est arrivé et c'est maintenant. Je déclare que l'œuvre de l'Éternel se réalise dans ma vie. Tout ce que le Seigneur a déclaré sur moi, je déclare que ça s'accomplit dans cette saison au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous laisser dire ce que vous avez mis comme intention de prière. Demandez vos immeubles, demandez vos mariages, demandez vos choses maintenant. Éternel des armées, je mets la consistance, la persévérance, la patience et la foi dans tes enfants. Je déclare qu'ils ne reculeront devant rien. Oh papa, pendant qu'ils te parlent, Père, je déclare que les cieux, les écluses des cieux sont ouvertes, Père, et que tu écoutes leurs prières. Papa Yahweh, je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne peut prospérer. Papa Yahweh, je déclare que toute chaîne qui avait été attachée sur eux est brisée. Papa Yahweh, je déclare que je les sors de toute fosse commune, toute vallée de l'ombre de la mort, là où on les avait déposés, on les avait enterrés. Je viens les combler, commander de se lever. Je vous commande de vous lever car votre lumière est arrivée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux prendre le jus. Papa Yahweh, je reçois la restauration dans ce sixième mois dans ma vie. Papa Yahweh, je déclare que mes portes sont ouvertes. Toute application, toute procédure que j'ai commencée qui a été interrompue, je déclare que ces procédures avancent. Tout visa que j'ai, processus de visa que j'ai commencé, je déclare qu'il est décanté en ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Papa, je déclare que tu étends mes limites selon 1 Chronique 4, verset 10. Tu étends mes limites et tu élargis mon territoire, Seigneur. Je déclare qu'aucune arme qui a été façonnée contre ma vie ne peut prospérer. Je me fortifie. Je déclare que je me ressuscite de toute tombe dans laquelle on m'a mise au nom de Jésus-Christ. Prononcez seulement ce que j'ai dit là. Amen. Mettez la main sur le ventre. Je me désenvoûte de tout fibrome, tout mauvais esprit, tout serpent qui est dans mon ventre, tout mauvais sort qui a été lancé, toute malédiction familiale qui m'empêche d'avoir des enfants, ou encore toute maladie qui est dans mon ventre. Je déclare désormais que je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je commande à mon utérus de porter des enfants dans ce mois de juin au nom de Jésus. Je reçois mes jumeaux, je reçois mes jumelles par la puissance du Saint-Esprit. Parlez, quand c'est pour vous, vous attraper. Je déclare que tout chantier que j'ai commencé, qui est arrêté en route, je déclare qu'il avance au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes enfants qui sont éloignés de moi reviennent à moi. Je déclare que tout endroit où on m'avait promis de l'argent et ça s'est arrêté en route, je reçois cet argent au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui me doit de l'argent me rembourse au nom de Jésus. Toute personne qui avait mal parlé de moi et à cause de cela, on m'a renvoyé ou on m'a chassé ou m'a enlevé la faveur, je restaure cette faveur au nom de Jésus. Papa Yahweh, je restaure ma destinée. Papa Yahweh, je déclare que je ne vais plus perdre mon temps. Je ne vais plus gaspiller mon temps à ne rien faire. Je me libère de l'alcool, de la consommation excessive d'alcool. Je me libère de la consommation excessive de cigarettes. Je me libère de la consommation de sexe. Je déclare, Seigneur, que je suis restauré au nom puissant de Jésus. Toute femme qui était invisible là, déclare, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on me voit. Je déclare que tout fiancé qui m'avait abandonné, je déclare, Seigneur, que tu me donnes un autre. C'est toujours bien d'avoir un autre parce que l'ancien peut revenir, fait un peu genre. Déclare que tu me donnes un autre qui est encore mieux que l'ancien. Dès que maintenant, vous dites ce que le nouveau là doit avoir. S'il doit avoir 50 plaquettes de chocolat, peut-être il a le mambo sur le ventre, peut-être il a beaucoup d'argent, il a les papiers. Dites ce que vous voulez. Et il aime Dieu. Il est traditionnaliste. Voir quoi d'autre. Il est entrepreneur. Dites-le, allez seulement. Il a 42 ans. Vous ne voulez pas quelqu'un qui a 70 ans. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel est ouvert pour recevoir vos prières. Je viens bénir les dîmes qui ont été payées aujourd'hui, toute dîme qui a été payée dans mon ministère. Je viens bénir cette dîme par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que j'augmente 2 zéros sur vos chiffres d'affaires d'ici la fin d'année au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare que ta fidélité est récompensée dans la vie de tes... La fidélité de tes enfants est récompensée au nom puissant de Jésus. Que ceux qui avaient été bloqués dans certains pays, vous ne pouvez pas voyager depuis à cause d'un document. Ou bien vous ne pouvez pas voyager à cause de... Vous ne pouvez pas n'arriver pas à traverser. Je déclare que vous traversez dans ce mois de juin au nom puissant de Jésus.
tout embargo familial qui avait été mis sur vous, toute personne qui allait pratiquer pour vous bloquer dans un pays en particulier, j'enlève cet embargo, j'enlève cette limitation au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous libère, je vous restaure. Je restaure aussi vos business. Ceux qui ont lancé les business et puis vous avez peur de, je sais pas comment, votre business est en stand-by. Ça fait des mois que tu n'es plus passé sur ta page. Tu n'es plus reparti sur ta page Facebook alors que tu avais ouvert. Je déclare que tu reprends l'envie de ce business. Ta marchandise qui est à la maison que depuis là tu n'as pas vendue. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce mois de juin, les clients t'appellent. Tu reprends le courage et tu postes tes pages au nom de Jésus. Je déclare que vos clients sont satisfaits et ils parlent de vous à d'autres clients au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous avez de nouvelles collaborations de business qui se pointent dans ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous devenez chef d'entreprise au nom de Jésus. Ceux qui voulaient faire votre publicité, qui vous ont oublié, ils ont été bloqués. Je déclare que votre publicité se passe maintenant au nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, je déclare que si on parlait mal de vous avant, cela est changé. On parle de bien en vous maintenant. On parle de vous en bien au nom puissant de Jésus. Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui vit et règne. Qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen, amen et amen. Je vais enlever les maux de tête, les migraines. Tout objet ou tout animal ou tout insecte qui bouge dans votre corps. Mettez la main sur l'endroit là. Je commande à cet insecte de se dissoudre. Tout serpent qui bouge dans votre ventre, mettez la main sur le ventre. Je commande maintenant que vous êtes désenvoûté au nom puissant de Jésus. Voilà. Je vous libère, je libère vos idées de business. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tout business, toute collaboration que vous avez commencé depuis des années, c'est en suspens. Je déclare que vos anciennes personnes vous appellent à nouveau. Tout endroit où on avait mal parlé de vous, on vous a détesté. Ils vous appellent maintenant pour s'excuser. Votre fonction, votre place est restaurée. Votre place de chef de famille est restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci Papa Yahweh. Je bénis vos repas. Je bénis ce que vous allez manger. Ok. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Délicieux. Lolololo, les missiles, lolololo, bouka, les mi, bouka, les missiles. Bon, bye bye. Bonne nuit à vous, hein. Mon orange money est plein. Il y a un de mes orange money qui est plein. Donc, si vous essayez de payer votre dîme, ça ne passe pas. Essayez à nouveau. Je vous redonne les numéros 693 50 22 66. Si ça ne marche pas, si le 693 50 22 66 ne marche pas, vous faites le 698. 367 221 698 367 221. Voilà, je vous bénis, je vous bénis. Que ce que vous avez vu, écrivez ce que vous avez vu, ok? Marquez cette date. Marquez-moi les dates. Marquez les problèmes que vous aviez au mois de mai là. Parce que vous n'allez plus voir vos problèmes. Vous n'allez plus voir vos problèmes là. Au nom de Jésus. Bonne soirée à vous. Au revoir à vos enfants. Parce que c'est que beaucoup de femmes là, vos enfants sont à côté de vous. Bonsoir les enfants. Bonsoir, comment vous allez? Ça va? Bye bye. Ma chérie, écris en inbox pour ta photo.